Un point d'écart seulement entre le Paris FC 11e et Evian Tournon-Gaillard 13e. Deux équipes qui ne risquaient pas de se croiser la saison dernière. Le Paris FC était en National, Evian Tournon-Gaillard en Ligue 1. Les deux équipes se retrouvent à l'occasion de cette journée de Ligue 2 avec la possibilité pour le PFC de confirmer son bon début de saison. Le Paris FC est invaincu, mais il n'y a eu qu'une victoire et 5 matchs nuls. Les Parisiens sont d'ailleurs sur une série de 3 matchs nuls consécutifs sur le même score, un but partout. La première opportunité est pour Evian Tournon-Gaillard avec ce ballon sorti par Alexis Thébault, puis une deuxième chance avec cette reprise de la tête à bout portant. Le coup de sifflet de l'arbitre Olivier Tual fait beaucoup de bien à la défense parisienne qui réussit à se dégager suite à cette action. Alexis Thébault est déjà très sollicité dans le but parisien. Et Evian Tournon-Gaillard prend des initiatives. Les joueurs de Safet Susic continuent à dominer. Mais attention à la petite erreur. Ballon récupéré par les Parisiens. Un très bon service dans la surface de réparation. Mais le tir est un petit peu trop croisé. Pas de réussite pour Nicolas Fauvergue, le nouveau buteur du PFC. Cette occasion réveille les Parisiens qui insistent. Nouveau tir avec un ballon légèrement dévié, puis accompagné en corner par Benjamin Leroy. Evian Tournon-Gaillard a quand même la plupart des opportunités avec ce nouveau coup franc que les Evianais tardent à tirer. Ce n'était pas si loin du cadre. Toujours pas de réussite dans ce match. C'est Ludovic Sorès qui a pris sa chance. À la mi-temps, pas de but dans ce match pourtant très attendu. Evian Tournon-Gaillard a pris de la confiance lors de la précédente journée. C'était la première victoire de la saison pour l'équipe de Safet Susic, 4-0 contre la Auxerre. Mais il n'y a eu que 2 points sur 9 possibles à l'extérieur pour les Hauts-Savoyards. Et en seconde période, ils subissent. Énorme occasion supplémentaire pour le Paris FC. Mais ça ne passe toujours pas. La belle parade de Benjamin Leroy qui empêche l'ouverture du score adverse. Les deux équipes ont eu leurs occasions. La dernière est pour Evian Tournon-Gaillard avec ce tir sauvé par Alexis Thébault. Personne ne réussit donc à marquer dans ce match. 0-0 entre le Paris FC et Evian Tournon-Gaillard.